Salut les amis, aujourd'hui je voudrais. C'est un peu mon coup de gueule en fait, parce que donc je connais une dame et beaucoup d'autres, hein, une dame à qui on a enlevé son œil et on lui a mis un autre œil, je vous jure c'est vrai. Et donc elle m'a raconté l'histoire, donc elle a eu apparemment, donc ça venait d'une fille de 12 ans, waouh! Elle m'a dit le choc qu'elle a eu quand elle a eu l'œil de la fille de 12 ans, tu vois, c'est un truc de fou quand même. Et donc pourquoi je parle de cette affaire? Parce que donc je suis pour en fait que lorsque je vais mourir, que tout mon corps aille à la science, mais la science utile, que chaque partie de mon corps soit, en tout cas je fais tout pour que ce soit utilisable et fonctionnel, que chaque partie de mon corps aille à une autre personne. Voilà. Pour moi, c'est la plus belle chose qui puisse arriver lors de ma mort. Vous voyez, chers amis. Donc ici, je le dis pour preuve hein, sur cette vidéo. Et donc mon coup de gueule, en fait, il est que pour l'instant, c'est sous secret, en fait. Tu ne peux pas savoir qui t'a donné quelque chose. Après, je peux comprendre par rapport à la sélection. Sinon, les gens diraient, ah bah non, c'était un papy de 80 ans, je veux pas son œil. C'était une fille de 12 ans, je veux bien son œil. Alors je suis pour le fait qu'on lui dise après, voilà. Alors il y aura toujours débat, c'est sûr, mais j'aime bien penser l'idée quand même pour qu'on puisse aller honorer à notre tour une personne qui nous a donné allez, je vais aller très loin, qui nous a donné son cœur, qui nous a donné ses poumons. Alors je ne sais pas ce qui est possible exactement, mais on fait tellement de belles choses dans la science et à l'hôpital maintenant. En fait, pour moi, c'est important de pouvoir rendre vraiment hommage, un hommage actif aux personnes qui nous ont aidés, voilà, et qui sont décédées. Voilà, chers amis, c'était mon coup de gueule tout gentil. Ce sera toujours gentil, en tout cas, je l'espère vraiment. Voilà, à bientôt. Quel est votre coup de gueule un peu positif? Quelque chose qui vous contrarie un petit peu, mais vous voulez le dire gentiment. Et c'est comme ça que ça passe beaucoup mieux. Voilà, les amis, à bientôt. Mettez vos coups de gueule en commentaire et vivons heureux et passionnés à vie!